Mesdames et messieurs, énorme bad buzz à cause de l'armada de Rouen qui vient de partir et les Français sont en pleurs parce que leurs Uruguayens de poche partent et c'est triste. Mais vous allez voir, le forum a pété un câble parce que c'est hallucinant. Déjà, ils ont désactivé les commentaires et les dislikes. Alors, on va regarder la vidéo et vous allez voir, c'est totalement lunaire. Un au revoir pluvieux ne vaut pas forcément un au revoir heureux. Devant le côté moque, les couples de l'armada profitent d'un dernier moment de complicité avant de larguer. Les fameux couples, hein. Les couples formés en un jour et demi. Les amarres. On s'est connus le premier jour, on a passé du temps ensemble, on a tissé des liens. Ah oui, des gros liens évidemment. Je garderai forcément un bon souvenir de Rouen. Lol. C'est pas facile de les voir partir. Regardez la ratio monumentale. Après 10 jours ensemble, puis du coup, moi je passais tous les jours sur le bateau et tout là. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau? Nous on veut savoir. On veut des preuves, on veut des sources, nous sommes esthéticiens, des photos. Ça va me faire bizarre de passer sur les quais après, je pense. Les larmes se mêlent aux gouttes et déjà, la nostalgie se profile. Ça fait un peu mal parce que c'est fini, mais on va garder que le meilleur de ses souvenirs. J'ai voulu une photo avec les deux. Ouais. Et puis j'ai dit à mon ami, ce serait trop bien que j'aie leur chapeau. Et j'ai fait le signe, oh, j'aimerais bien un chapeau comme ça. Et son ami a fait, lui il veut. Oula, qu'est-ce que j'ai rien compris. Certains voulaient aussi, mais repartent bredouille. D'autres auront un peu moins de mal à s'en remettre. Bueno, o sea, el idioma es un poco complicado. Au début, c'est un peu compliqué de se quitter. Mais ça fait partie de notre quotidien. Donc finalement, c'est surmontable. Au moment du départ, un petit pincement au cœur. Les Mexicains repartent sur les mâts. Ah, Mexicains, pardon. Bras ouverts, comme une dernière invitation au réconfort. Et qui sait, peut-être retrouveront-ils leur amour rouennais dans 4 ans. Dans les Mexicains, ça m'appelle juste Minecraft à l'époque où tout le monde cracouillait tôt le jeu, hein, n'est-ce pas? Et on avait tous le même skin. Avec le fameux Bob Lennon à la blague, c'était accepté, la blague de Bob Lennon à l'époque. Ou un peu avant. Et voilà, donc c'était l'armada de Rouen. Et regardez, ils ont mis en vedette un certain loup. Alors ça ferait plaisir à quelqu'un d'autre, un certain streamer assez musclé qui dit « Oula, qu'est-ce que tu n'as pas dit ?» Mais ça, c'est une autre histoire. Donc aussi, il y avait des marins uruguays, c'est pour ça que j'ai fait l'amalgame, qui dansent avec des Magalax de poche, là, on voit. Et puis on va voir le forum qui a pété un plomb. Les Mexicains sont revenus troncher les FR pendant 10 jours. Aya, tous les ans ils viennent 10 jours pour se vider les bournes. Les foutre en cloque et se repartir. Mais ça me rappelle un peu... Ça me rappelle un peu dans les heures sombres à la tour Eiffel quand il y avait un certain pays qui occupait ce pays. Il se passait des trucs aussi. Et puis après on les a tondus. Mais ça c'est une version alternative. C'est une version... Peut-être un sophisme de comparer les deux, mais ça me fait rire. Elles vont les mettre candole pendant qu'ils sont pas là. C'est fou cette attirance qu'ont les femmes pour l'uniforme. Normandie et Bretagne, les maîtres candole. Ah, j'espère que vous n'êtes pas d'ici parce que vous êtes maîtres candole. Les petits bébés en mars 2024. 120 000 vues, mais commentaires interdits. C'est tellement comique, j'en pleure. Le forum devrait louer un bateau. Y'a que des 0 sur 10, c'est vraiment la mort, la Normandie. Oula. Les commentaires sont désactivés, tu m'étonnes. C'est étonnant. Franchement, on fera pareil avec leurs mexicaines. Oui, mais est-ce que des paquebots de mexicaines arriveront à Rouen? Je pense pas. Les commentaires sont désactivés par hasard. Le nombre de naissances pas de père dans 9 mois. Ça, tu n'es pas prêt. Le pire, c'est qu'elles sont moches. Oula, tu calomnies. Tu insinues quoi? Ça me donne une petite idée de ce que leur grand-mère faisait il y a 80 ans. Ah, mais justement, moi aussi, j'avais fait le rapprochement tactique. Les heures les plus sombres et les heures les plus chauves. Ah là là, commentaire désactivé. 10 jours passés ensemble et ça chiale. Alors qu'elle doit avoir 25 ans quand même. Ça fait peur. La tradition annuelle. C'est dingue quand même. Ils débarquent. Il y a tout de suite des miaou et des expositions. Dans le forum irrespectueux. C'est lunaire. Mais what the fuck? Je pars en Amérique du Sud.
Ça va trop vite entre nous, le problème c'est pas toi, c'est moi. Ça me fout le démon. Les Celestinus pète un plomb, je l'avais dit, je l'avais call, je l'avais night call, Kavinsky. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de l'armada de poche? En tout cas, bah, c'est bizarre. Ça fait réfléchir. Allez, à plus, à Mogus.